Yo tout le monde, c'est Learn to Play, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien et on se retrouve pour une vidéo sur Black and White 2 pour passer au royaume suivant bien évidemment. On venait de terminer celui-ci il y a quelques temps, ça fait un petit moment, je dois l'avouer, on avait un petit peu tout détruit sur notre passage, on avait tout cassé, vous voyez, il y a plein de choses à reconstruire, enfin bref, c'était le carnage. J'ai tué la moitié de la population. Oh, notre meuf est ici, hein, vous voyez, elle a pris du muscle et des cordes. Juste pour info, là, je suis en train de tester le jeu sans les ombres, pour voir si il y a de meilleures performances, puisque moi je trouve que c'est pas si fluide que ça. Là, on est à peine à un peu moins de 30 images par seconde. C'est limite. Et en plus, il y a des petits lags, là, vous voyez, je sais pas à quoi c'est dû, enfin voilà. Bref, on va tout de suite passer au royaume suivant. Let's go, les amis. Désirez-vous vraiment quitter ce royaume? Ouais. Cliquez à nouveau pour confirmer. Ouais. Ouais. Enfin. Ok. Donc, un royaume terminé. Les Japonais savent à qui ils ont affaire maintenant. Ils risquent de prendre les mesures qui s'imposent. Passons au royaume suivant. Alors, on va pouvoir voir tout de suite les résultats de ce royaume. Ok, donc 96% à l'union maléfique. Et on a quand même capturé des villes par le prestige. Hein. Bon, c'est à peu près égal. Hein. Nombre de villes capturées par la force et par le prestige, ça se rejoint. Nous, ce qu'on veut, c'est la créature. 11% maléfique, ouais, c'est pas encore énorme. Hein. Ouais, elle a pris 2 kilos. Enfin, 2 kilos. De 200. Enfin, je sais pas combien. Je sais pas comment c'est calculé. Elle a 5 ans. Elle fait 9 de taille. 9 mètres, sûrement. Ça me paraît assez énorme. Mais bon. Elle a du muscle. 11% de muscle final. Elle avait... Ah, je comprends pas exactement comment c'est calculé. Régime, elle a mangé 8 villageois et elle a mangé 7 grains. Ouais, c'est vrai que nombre de grosses commissions, 67. Ah oui, nombre de victimes, 253. Ouais, c'est quand même une killeuse, hein, notre créature. Tac. Allez, on passe au royaume suivant. Qui lui est un peu plus dur. Bon, c'est logique en même temps. On avance dans l'histoire. La difficulté s'accroît. Tac. Allez, après le temps de chargement. Fini. Oui, alors la barre fait deux fois le tour. Ouais. Frère, je n'ai pas pu résister aux Grecs. Ils nous ont submergés. Eh ouais, c'est imbécile. Nous. Avec des défenses et une puissante armée, ils auraient pu être tenus en échec. Eh ouais. Non, ils disposent de grands pouvoirs. Je pense que les dieux sont avec eux. J'ai été témoin de miracles. Ah bah alors, si t'as été témoin de miracles... Aucun dieu ne les soutient. Tu as échoué. Oh. Non, c'est ce que raconte la prophétie. Ah ouais, ils sont là. À la destruction. Oh, ils sont beaux. Et se relèvera avec un dieu à sa tête. Silas, je vais m'occuper de ces Grecs, conformément à l'art de la guerre. Ah, en fait, le mec, il est chauve. Pourquoi il a le bout des doigts noirs? Non. Non, non, non. Je cherche cette toi, vilaine pensée. Ah, c'est qu'il a des gants, en fait. Dans la victoire ou la défaite, nous devrons les suivre. Ah. Il ne sera pas facile de conquérir ces terres. Ces gens sont de vrais guerriers. Prenez garde à leurs armes de combat à distance. Ils croient s'y connaître en baston. Ouais. Ouais. On va leur montrer, ouais. Mais bon, je sais que ce royaume... Pour nous protéger. Oh, oh, il a tiré le nichon. Oh, ça doit faire mal, ça. Oh là là, ça doit faire mal. Oh là 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 là, ça doit faire mal. Ok. Voilà. Bon, vous voyez, pendant la vidéo, c'est pas super fluide. Je m'en excuse, sincèrement. Tac, donc c'est... Oula. C'est parti, on commence à construire. Tac, hop, un entrepôt. Ils remplissent leurs entrepôts. Un hôtel. Partagé après la victoire. Ah oui, attendez, alors... Les sages disent... Alors déjà... Confiance, ah merde. Aux épées et aux flèches. Attendez. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va péter ça et qu'on va plutôt construire les champs ici. Attendez. On va les poser à côté. Voilà, parce que j'en aurais besoin sûrement pour me défendre. Tac, c'est juste pour pouvoir placer les champs, voilà, convenablement.
pour avoir le... Leurs chants fourniront à nos soldats le festin des vainqueurs. Oui, si tu me dis, écoute, Jean-Guy... Le seul petit souci, c'est que là, pour faire des maisons, ça va être un peu compliqué, puisque, vous voyez, on est très restreint niveau place. Tac, on va faire un petit chemin, même si ça le prend pas en compte. Voilà, alors, un petit chemin pour, tac, entourer l'entrepôt. Et on va tout de suite mettre des habitations, là, parce qu'il faut qu'ils se mettent au travail. On va faire... Quel drôle de demeure pour un guerrier. Oh, mais tu me fais chier, toi. On va aussi faire bientôt de quoi faire des unités militaires. Vous voyez là, il se touche là, je sais pas ce qu'il. Hop. Bah, ça va pas déjà. Disciple reproducteur. Déjà, on va augmenter la population. Disciple reproducteur. Vous voyez, il y a des baisses de framerate, je sais vraiment pas quoi c'est dû. Vivement que. Il y a encore. Je ne sais pas pourquoi ça fait ces lags là. Ça devient très chiant. Vous voyez, ça n'arrête pas de les faire, je ne sais pas pourquoi ça fait des lags. Bon bref, qu'est-ce qu'ils attendent là? Allez au boulot. Disciple fermier. On va prendre disciple bâtisseur. Des bâtisseurs, plus de reproducteurs, un peu de forestiers pour qu'ils aillent disciple chercher le bois. Forestier. Et on fera bien sûr des mineurs. Bah, je pense qu'on va... Ouais, on a réussi à choper 3 arbres. On va construire l'entrepôt nous-mêmes. Voilà, tac. Ok, voilà, on a l'entrepôt déjà, c'est ça te fait, ça nous augmente plutôt pas mal. Ok, donc on va faire un petit tour sur la carte, vous voyez qu'ils ont énormément d'unités militaires, il y a des remparts gardés par les troupes ici, il y a des catapultes sur les hauteurs, sur la colline. Oula, oh, un petit bruit de marée, très sympa. Ici, on a une ville fortifiée. Il est temps que nous passions à l'offensive, soldats. De même ici, oula, il y a des fumées vertes. Nous nous battons pour l'honneur. Ça, c'est pour une vies. Mission. La capitale ici qu'on ira bien sûr conquérir par la force et pas par le prestige. Hein. C'est l'objectif. Et bien sûr, toutes les petites missions qui s'en suivent. Par exemple, ici, 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 ouais. Donc, ici. Ouais. Ce que je pense. Je pense qu'on va faire, c'est cette mission-ci. Je sais qu'elle est pas très longue, voire celle-là. Non, celle-ci, elle est pas trop longue. Vous allez voir que ce sera plutôt... sera pas trop compliqué. C'est juste, voilà, un peu de chance et voilà, enfin, je m'en souviens qu'elle est pas trop compliquée. Hein. On aura le temps de la faire. Tac. Pourquoi il veut pas, là? Ok, bon, ça en pente. Voilà. Bon, alors, j'essaie de faire des chemins plutôt ronds et bien faits. Ok, alors on va essayer de faire une armée beaucoup plus imposante que dans le royaume juste avant. Tout simplement parce que déjà, eux, en face, bon là je vois pas puisqu'il y a l'indicateur d'FPS, mais ils doivent être une bonne tripotée, hein, si vous voyez ce que je veux dire. Ah, attendez. Oh, ma main, il y a des cicatrices dessus. Je crois qu'on n'est pas au max. Hein. Et donc on va faire bosser meux, hein. Faut pas qu'on oublie que... Oh, je m'interromps. Regardez-moi ces maisons. Elles ont des racines qui poussent et elles sont toutes noires, elles sont toutes ternes. Ça fait vraiment peur. Excusez-moi. Ça fait vraiment peur. Ah, ça donne pas envie d'y vivre dans cette ville. Et pourtant, ils seront obligés. Ici, on voit qu'il y a deux petits villages tout sympathiques au bord de la mer. Vous voyez, c'est beau. C'est beau, c'est magnifique. C'est splendide. Voilà, ici aussi. Bah attendez, j'ai l'impression que les ombres ça change rien. Alors, petite interlude, option. Vous voyez, je vais retirer les ombres. On va mettre les ombres, tac. Voilà. Je sais absolument pas si ça a changé quelque chose. Enfin bref, on s'en bat les steaks. Non, ça a pas l'air d'avoir changé grand chose. Ok, on s'en fout. On continue d'étendre notre ville. Là, il faut vraiment... Oula. Il faut vraiment qu'on fasse ça rapidement, puisque nos ennemis, ces Japs, là, bah, ils sont plutôt féroces. Plus féroces que dans le premier royaume. Et encore, là, c'est pas le dernier royaume japonais, vous allez voir. Enfin, j'arrête de spoiler, on va dire. Plus tard, ce sera plus compliqué, parce que, si vous voulez, j'ai jamais fait le jeu en méchant, c'est-à-dire, enfin... En conquérant les villes, toujours par le prestige, j'ai réussi, donc je sais pas ce que ça va donner. Ok, donc là, on va en profiter pour entourer l'hôtel. Ce qu'il faudrait, c'est... Est-ce qu'on peut... ça va pas le faire, là. Et on peut pas relier par là. Bah écoutez, on va faire comme ça. Voilà.
Il nous faudrait... Ah oui, un enclos pour la créature. Oh, putain, c'est trop gros. On va le faire là, écoutez. Leur créature a besoin d'une maison. C'est alors, un signe de faut faiblesse. Que du bois. Ouais, faut que du bois. Ok, bon, on va le construire nous-mêmes. Hein. Ce sera déjà ça de fait. Sachant qu'il reste plus que, ouais, 1000 unités, ouais. Allez, hop. Qu'est-ce qu'elle fait là? Ah, elle fait du tam-tam sur ses mamelles. Elle distrait la population. Tac, c'est parfait. Il nous faut encore. Voilà, ok, nickel. On voit que ça a grandi aussi. Il faudrait qu'on... Voilà, on va essayer de prendre tout ça là. Bon, à mon avis, eux, ils nous rejoindront grâce au prestige. Il n'y aura pas besoin de les conquérir. Bon, c'est pas très grave. Hein. On n'aura pas le temps de faire une garnison. Voilà. Avant que ceux-ci nous rejoignent. Non, ça, on va le foutre à l'entrepôt. Hop. Pourquoi il veut pas? Ah, d'accord. Il veut pas. Bon. Il nous faut un temple aussi. Un temple, c'est très important. Enfin... Ah bah tiens, on peut passer par là, ok. Ne serait-ce que pour le prestige, enfin pas tellement, c'est plus... Ah bah voilà, on nous attaque déjà. Alors on aura... Ils veulent détruire notre ville. Allez, allez, attaque. Ouais, on se fait déjà attaquer. Alors, on va regarder le combat spectaculaire. Vas-y, biquette. Vous voyez, ils pètent toutes les maisons là, déjà qu'on a plus de ressources, ça va être un grave problème. Ah, ils sont en train de complètement saccager la ville. Allez, vas-y, attaque. Oh là là, mais qu'est-ce qu'elle fait? Ah, voilà, elle sort enfin les pouvoirs. Oh, et il y a eu un lag, je suis désolé. Oh, c'est vraiment énervant ce genre de truc. Allez, il en reste que deux là, vas-y. Au pire, hop. Voilà. J'ai utilisé mes pouvoirs de divin. Hop, vas-y, crève. Ah bah non, c'est pas un cadavre que je veux. Un dieu a décidé de nous rayer de la carte. On s'en fout. Allez, vas-y, me. Putain, elle est complètement buggée. Ah bah, enfin, voilà, c'est bon. Vengerons votre mort, honorable guerrier. Ah, c'est pas trop tôt, putain. On dirait que ces animaux connaissent l'art de la guerre. Non, non, c'est pas vrai. Comment est-ce possible? Bah, je t'expliquerai, écoute. Hein, je t'inviterai à prendre le thé, un de ces quatre. Pourquoi? Ah bah, ça va être un problème, déjà, si on peut pas faire descendre de chemin. Garnison, ouais. Va falloir qu'on se défende. Putain, mais ça va être un petit problème. Ouais, là, ça me semble bien. Allez, hop, une garnison, le plus vite possible. Sinon, ça va être la Bérésina. Tac, les rochers. Putain, ils gênent les rochers, là. On va foutre ça, là. J'avais dit quoi, déjà? Ah oui, un temple. Il nous faut un temple. Et déjà, il nous faut plus de naissances, aussi. La fertilité, là, ça... Faut que ça... Pourquoi j'ai pris ça? Non, c'est pas ça que je veux. Mais non, pourquoi... Mais une garnison, je vous en ai mis une, là. Vous êtes débiles ou quoi? Bon, attendez, on va le faire nous-mêmes. Un temple, il nous faut un temple. Ouais, un temple. Ah oui, on va faire une garnerie et ainsi, une prison surtout. Une fosse de torture. Surtout. Bon, le temple, écoutez, on va le faire derrière le temple de la créature. Voilà, c'est très bien. Ils construisent des temples où ils nous prieront de les laisser en vie. Oui, ça peut être une possibilité, mais bon, je pense que ça va pas le faire. Enfin, je pense pas que déjà vous rentrerez ici parce que voilà, quoi, entre nous, vous êtes des brêles. Enfin, bref. Donc voilà, bon là ça va être un casse-tête. Voilà, ok. Par contre, ici il va me faire qui est. Non, c'est bon. Et on continue d'étendre. Pour l'instant, c'est développement économique et augmentation de la fertilité qui sont de mise. Hein. Là, c'est très important. Ouais, bon là il y a trop de pentes. Ce que je pense. Je n'arrive plus à parler. Je pense, plutôt, voilà, c'est mieux, que je filmerai avec Fraps, puisque j'ai réussi à le débloquer, à trouver le moyen de m'en servir, même si, malgré le fait que mon ordi, bah voilà, soit toujours pas réparé, hein, oui, parce que vous avez peut-être oublié, mais il est toujours pas réparé, mon ordi. Enfin, bref,
De toute façon, je vais en avoir un nouveau, donc c'est pas un problème. D'ici cet été, là, d'ici un mois ou deux. Enfin, je vous tiendrai au courant. Enfin, bref, donc je vais finir avec Fraps, parce que apparemment, avec Fraps, j'avais testé il y a longtemps. Les lags disparaissent. Mais bon, Fraps, voilà quoi. J'aime pas trop. Mais bon. Hop, vu qu'une nouvelle version est sortie, mais bon, voilà, moi, j'ai pas la version officielle. Enfin, non, que dis-je? Enfin, comme tout le monde le sait, voilà, hein, je me demande s'il y a beaucoup de monde hein, qui ont acheté Fraps un jour. Voilà. Hein, on se comprend. Tac. Hop. Bon, c'est pas très joli, hein. Faut pas s'attendre à des villes de fous vu qu'on est maléfique. Voilà quoi, hein. Vous voyez le résultat, c'est tout noir, tout gris, tout terne, c'est pas beau à voir. Enfin si, dans un sens c'est beau à voir, puisque nous c'est ce qu'on veut. Et même les chemins, vous voyez, sont noircis. Ça donne un effet artistique plutôt sympa. Regardez, là on commence déjà à voir les dessins en flammes, regardez. Regardez les sculptures, enfin les sculptures, les dessins d'hommes grecs de l'Antiquité. Nous pouvons voir toute la tribalité, je sais pas si ça se dit, de ces populations au temps jadis. Hop, putain. Hop, putain. Elle est où? Elle est où? Je la vois pas. Je la vois pas. Ah, elle est là. Mais vas-y. Vas-y. Ah là là. Bon, on va devoir se servir du rocher. On le tire dessus. Ah bah merde, j'ai mal visé, j'ai pas bien vu. En fait, j'ai pété. Bon, on va en tuer une partie. On pète des maisons, mais c'est pas grave, hein. C'est pour la survie de la population. Bon, j'ai pété deux maisons. Faudrait peut-être que je termine les remparts, ce serait peut-être une bonne idée, hein. On va faire une enceinte. Non, même pas, au pire, hein. Ça fera des hommes gratos pour ma créature qui s'entraînera dessus, hein. Au pire, c'est pas un problème. Eux devant, là, les villageois. De devant, prendront juste un petit peu cher, mais ça, c'est pas un souci. Bon, par contre, là, niveau ressources, c'est vrai que ça commence à être un peu short. Voilà, on va essayer de terminer l'hôtel, histoire de pouvoir se défendre. Et de construire quelques maisons. Et la garnison aussi, surtout. Tac, la garderie, ça, c'est qu'un détail, on s'en fout. Nous vengerons votre mort. Ok, c'est bon. Il nous manque plus que du minerai. Non. L'art de la guerre. J'ai pas pensé, comment tiens, à faire des disciples. Purée, mais j'ai pas de population, c'est affligeant. Je vais faire des disciples. Disciples. À moins mineurs. Qu'il n'y ait plus de minerai dedans. Si, vous voyez, il y a du minerai. Il y a du minerai. Donc, vous, au lieu de vous toucher la nouille, vous allez. 3G pour être à cet endroit. Disciple mineur. Voilà, vous irez travailler à la mine comme au 19e siècle. Voilà, à la fin du 19e. Vous irez travailler dans les mines. Il nous faut beaucoup de minerais, donc on va en rajouter. Hein. Disciple mineur dans la mine. Voilà, toi aussi. Surtout toi. Disciple je savais que t'avais mineur. Le. Ah, mais que. Je suis bête. J'avais oublié. Disciple adorateur. Les adorateurs, bien évidemment. Parce qu'il nous faut du mana, sinon on pourra pas vraiment se défendre. Alors je pense que. Oh, qu'est-ce que je viens de voir? Holy shit, ils ont un tigre. Sachant que le tigre, on ne peut pas le prendre, bien évidemment, au début de partie. Mais cependant, j'ai trouvé un mod qui nous permet de l'utiliser. Enfin. Ou sinon, il y a l'extension de Black and White 2 que je compte faire juste après celle-ci. Enfin, vous verrez, je ne vous en dis pas plus. Mais sinon, il est swag. Hein. Il est magnifique. On voit tous les poils et tout, il est sublime. Je sais pas où il va, mais en tout cas, il va en courant. Hein. Avec de l'entrain, c'est bien ça. C'est pas mal. Ok, bon. Niveau ressources, comment on est? Bon, on n'a pas beaucoup de nourriture. On va faire un petit coup de pouce divin. Allez, on est gentil. Voilà, on est trop gentil. Tac. On leur fournit de la nourriture même si on est maléfique. Ah oui, il faut que je commence à faire les bâtiments de dictateurs, je vais les appeler comme ça. Mais le problème c'est que sur ce royaume, c'est vraiment la place hein, qui est très dure. Enfin, à optimiser on va dire. Par contre, il nous faudrait plus d'enfants. Ben, j'ai une idée moi, mais voilà quoi, tu vas peut-être pas apprécier. Tac, fosse de torture, c'est obligé. Ah merde, j'ai même pas réussi à.
Qu'est-ce qu'on pourrait faire aussi? J'avais dit, on peut faire une auberge, on le fera après. Un cimetière juste à côté. Les Grecs ont un cimetière. Ouais. Ils en auront besoin. Écoute, on en aura besoin. Oula. J'ai essayé de faire un plan. Voyez, magnifique île, hein, de très loin. Elle est splendide. On peut voir toutes les forges japonaises en place. Ici, ça s'est concentré. Vous voyez, eux, ils sont partis pour nous attaquer. On va essayer une nouvelle attaque dans peu de temps. J'espère que j'aurai un petit peu de mana. Oula, j'arrive pas à me... Comment je fais pour... On a que 1500 de mana, sachant que le feu coûte... 2000, oulala, ça va être dur. Elle est enceinte, bon, on va la faire quand même, adorateur. Disciple, adorateur. Disciple, adorateur, adorateur, adorateur. Bon, on voit qu'ils arrivent. Bon, écoutez, ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'elle tient dans la main? Donc, la cré-cré, là, la créature. Ok. Ah, d'accord, elle est comme ça. Bon, tu vas tout de suite aller attaquer, c'est gentil, monsieur. Vas-y, on te regarde. Nickel et tous, tac. Là, il y a un vieillard à moitié mort. Vous voyez que le sol devient de plus en plus en fusion. Et on voit que le drapeau rouge clignote. Enfin, il me semble. Non. Ah non, en fait, c'est juste moi. Donc, on va pouvoir. Ouais, non, voilà, nombre d'escadrons. On peut créer que 5 soldats, donc ce qui est complètement inutile. Oulala, 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 oulala. Oulala, attention, on voit qu'il y a une deuxième troupe. Vas-y, Bibi. Vas-y, me... Oh là là. Ça, c'était un massacre, hein. Le pouvoir électrique est complètement cheaté. Par contre... Ah oui, mais mince, j'avais pas remarqué. Vous voyez, la catapulte ici, elle sert un peu de sniper, mais bon. Bon, c'est un peu chaud pour elle de viser, hein. Vous voyez, regardez, là, ça fait 30 ans, elle a tiré là. Par contre, là, elle va pouvoir se positionner. À moins que... La créature saute trop loin. Vous voyez, en un seul coup de pied, elle a pu tuer tout ça. Elle devient de plus en plus puissante. C'est se défendre. Voilà. Bien joué, Meu, tu es très fort. Ah, qu'est-ce qu'elle me demande? Je vais faire mes besoins sur fusil. Oh bah oui, vas-y, fais-toi plaisir. Hein. Vas-y. Tac, elle a des petits sabots, c'est très bizarre. Oh, mais qu'est-ce qu'elle fait là? Comment elle fait ça? Non, mais c'est n'importe quoi. Donc, on va faire une mission, c'est l'heure de la mission, et on va faire celle-ci. Je vous laisse écouter la cinématique. La légende des 7 samouraïs. On raconte que 7 courageux samouraïs ont été pétrifiés par une entité maléfique. Waouh! D'accord. Ah! D'accord. Ok, bon. Et donc, le but, c'est bien évidemment. Hop, vous voyez ici, il y en a une. Ah, une statue. Tac. C'est de les trouver. Elles sont disséminées partout dans le royaume. Ouh, et on doit toutes les trouver. Et après, vous verrez. Donc, ce qu'on va faire, vous voyez ici, il y en a une. Bah, j'ai de la chance. Ici, tac. Le rouge, ma couleur préférée. Voilà, alors là, hop. J'aurais pas deviné. Eh non, t'aurais pas deviné. Alors, je ne sais pas combien il y en a exactement. Mais vu qu'elle brille, ça va pas être. Ah, vous voyez, ici, il y en a une. Ah non, ça, c'est un panneau. Le panneau. Les archers représentent la meilleure défense contre la créature ennemie. Ok. On s'en fout. On s'en contrebat les steaks. Alors, peut-être ici, là. Non. Non. Nope. 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 Peut-être là. Nope. 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 Alors, si je me souviens bien, il devait y en avoir dans... Ici. Alors, oui. Ici, c'est très escarpé, justement. Vous voyez, ici, là. Ah non, c'était un reflet. Autant pour moi. Encore? Ah bah voilà, ici. Tac. Joli! Il fait ça tous les jours? Ah bah tout le temps, je m'entraîne, hein. Je suis un fou. Bon, au pire, la créature. Ah oui! Ah oui, bah tiens, ça va l'entraîner au pire, hein. C'est pas très grave. Ici, c'était un reflet. Alors désolé pour ce zoom des zooms. Ici, il y avait rien, tiens, il aurait pu. Peut-être là. Nous vengerons votre mort. Honorable guerrier. Nope. Ici y a rien. Alors j'aimerais bien la finir avant la fin. Ah bah ici, vous voyez. Tac. Ah, une autre statue. C'est que dans les petits recoins de ce style.
Moi, je trouve ça très bien pensé, hein. C'est vraiment sympathique comme mission. Ça nous force à regarder un peu partout sur l'île où l'on se trouve. Alors, ici, il n'y a rien. Non. C'est souvent dans les montagnes, les creux, les trucs comme ça. Hein, sinon... Ah, ici, vous voyez. Bien joué, patron! Alors, je sais pas combien il y en a exactement, hein. Je m'en souviens plus. Mais là, je suis une machine. Sans vouloir être prétentieux, là. Si, tiens, ça m'étonne qu'il n'y en ait pas. C'est étonnant, tiens. Peut-être ici, non? Ah, là, oui. Là, par contre, à moins que. C'est des marais ici. Vous voyez, ici, c'est des marais. C'est très sympathique. On entend même le bruit de la faune. C'est bientôt le. Alors, si je dis pas de bêtises, c'est bientôt la nuit. Alors, ici, je suis certain qu'il y en a une. Si je dis pas de bêtises. En tout cas, il y a un truc là. Bah, c'est une mission. Non. Il en manque combien? C'est chaud à trouver, mine de rien. Alors, on voit que j'en ai récupéré 5, il m'en manque 2. Alors, il y en a peut-être une ici. Non, ce serait un petit peu... je suis sûr qu'il y en a une là. Ou alors... Ah, voilà, ici. Tac. Il en faut une dernière qui, je pense, se trouve ici. Voilà. Magnifique. Excellent. Vous avez trouvé toutes superbe. Les statues. Ok. Bon alors, comment ça marche? Let's Patience, go. Tout vient à point à qui c'est attendre. Ah, le village est dans un sale état. Ah voilà, donc faut qu'il y ait des rayons. Ah, j'arrive pas. D'accord. Ok. D'accord, ok, bon, ça m'a l'air pas compliqué, hein, allez, au hasard. Oh! Au hasard. Oh! Au hasard. Oh! Je suis trop fort. Magnifique. Et voilà. Et là, vous allez voir, c'est magnifique. Waouh! Oh, ils se font. Ils se transforment en samouraï humain! Waouh, ils sont bien faits. Ils ont des mains un peu carrées par contre. Hein. Oh, il a des pieds aussi un peu bizarres. Hein. Oh, mais il a le swag. Hein. Oh, il a la classe internationale. Ils ont des très grosses mains par contre. Et encore, c'est lag. Oh, yo man! Ok. Les statues ont repris vie. Ok. Et on peut les utiliser. On a des samouraïs. C'est merveilleux. Ah oh, mais. Vraiment costaud. Ok bon. Avec ils un veulent... escadron pareil, on va faire un malheur. Et leur manque d'honneur sera leur perte. Envoyez nos guerriers. Ah décidément, ils sont chiants. Bon, on va utiliser le feu. Purée, ils nous ont détruit 4 maisons. Ils ne sont pas sérieux. Vous voyez, il faut vraiment qu'on arrive à se protéger parce que sinon ça va pas le faire. On a perdu 4 maisons. Franchement, moi je dis c'est pas gentil quoi. C'est pas gentil. 4 maisons, vous voyez, c'est beaucoup. Et on n'a pas beaucoup d'arbres. Écoutez ce qu'on va faire. Non, c'est pas ce que je voulais faire. Voilà, on va récupérer. Bon, il n'y a pas beaucoup de bois. De toute façon, on va pouvoir au pire reconstruire que 2 maisons. Oups. Mince. Il y avait un tas d'autres bois par terre. Ok. Bon bah voilà. Par contre, il y a des... Disciples reproducteurs. Il y a des cadavres de samouraïs un peu partout. Disciples reproducteurs. D'ailleurs, nos samouraïs, ils sont ici. Where? Ici, voilà. Donc nos samouraïs sont ici. Nous partons sur le champ. Ok. Donc les amis, on va se laisser là. Voilà, je pense qu'on aura fait assez... Ah ! On aura fait assez de choses. Ah, pitié. Ah, ce système de secouer la main de gauche à droite est juste... Ah bah voilà, c'est en le faisant doucement que ça marche. Bon, enfin bref. Donc j'espère que cet épisode vous aura plu.
Laissez un commentaire et un petit j'aime et partagez la vidéo pour faire connaître cette série tout simplement. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Salut à tous, portez-vous bien.